Donc bonjour, je peux dire bonjour parce qu'il n'y a pas un bonjour. Je suis devant le Sephora du Japon à la Corderie, on est quelques-uns. Faudrait que vous veniez nombreux parce qu'ils veulent couper cet arbre là. Là, et ils ont amené. Alors que l'affichage est illégal, que ces histoires pour les lagages, et ils ont amené une pelle mécanique et un truc qui loue tout. Élévateur. Vous habitez le quartier, monsieur? Oui, moi je suis au troisième et j'ai. Non, nous, on ne nous a pas communiqué les expertises. Moi, désolé, je mets mon truc parce que j'ai ma soeur qui m'a. Les expertises, et il dit qu'il n'a pas communiqué les expertises, monsieur la métropole. Alors, c'est un document public. La mairie ne les communique pas. Nous, moi, on veut qu'il y ait l'ONF qui vienne, qui fasse un truc. Qui fasse une Donc, expertise. pardon, vous représentez quelle. Moi, je suis à l'association Art13 qui défend aussi la Corderie. D'accord. C'est une association qui a pour but. La défense du patrimoine architectural, enfin, patrimoine D'accord. Culturel et naturel. La défense du patrimoine. Bon, parce Des que moi, patrimoines. je suis Sylvander, j'habite là, et dès la semaine dernière. Et moi je fais un direct, je filme en même temps comme ça. Mais non, ça ne fait rien, il y a le son, ça doit. Quand on a appris le projet d'abattage, ils annonçaient l'abattage, on a envoyé des mails Oui? à droite, à gauche, à Je la peux vous défense. filmer? Hein? Je peux vous filmer? Oui, bien sûr. D'accord. Allez. C'est un direct, je fais un petit direct. Donc je dis, la semaine dernière, on a alerté les élus marseillais pour essayer d'obtenir qu'on ne coupe pas cet arbre. Effectivement, on nous annonçait qu'il y avait qu'on suspendait l'abattage de l'arbre. Et puis, on a reçu dans un deuxième temps d'autres mails nous disant qu'effectivement, une expertise Oui. avait eu lieu, qui disait qu'il fallait couper l'arbre. Mais personne n'a jamais eu connaissance de Non, l'expertise. personne, non, non. Personne ne voit Non, l'expertise non Madame plus. Ben Marnia a fait faire une expertise, deux expertises, faisant entre lundi et mercredi. Je ne sais pas comment elle a fait, parce que moi, hier, j'ai essayé toute la journée d'avoir des experts. Il n'y a plus personne en vacances. C'est Madame Ben Marnia qui a fait faire les expertises. Ben, Parce qu'elle a annoncé enfin, moi, j'ai alors. Cela, elle aurait fait faire, enfin, venir un de la ville et fait faire une autre expertise par quelqu'un indépendant, mais ils ne communiquent pas leurs expertises. Moi, je veux dire, j'ai compté, moi, je veux que l'ONF, ils ne le coupent pas, et on fait venir l'ONF, ils font un travail, parce qu'ils sont indépendants, et on expertise ce truc. Et en plus, l'arrêté, il n'est pas légal, c'est Oui, pas. non, c'est pas un arrêté pour l'abattage. Non, c'est pas un arrêté pour l'abattage. Donc, si les gens vous l'abattez, moi, je porte plainte en pénal contre vous. Je le ferai. Même si vous travaillez l'entreprise, parce que si un affichage, mais si vous en avez un affichage illégal, que vous participez à un acte illégal, même dans le cadre d'une entreprise, si vous ne refusez pas, vous êtes responsable. Ouais, tu veux, ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Bah, c'est ce que je disais, tu veux barrer là. Vas-y, hein. Mais j'avais dit qu'on pourrait le faire. Tu veux le fasse? Tu veux qu'on le fasse? Qu'est-ce que vous en pensez? Une suggestion, on barre à la rue pour protester. Si on a les moyens, si on a les moyens. Mais... Ah ben il suffit de mettre quelques-uns et de barrer. Hein. Eh ben, vous faites rien. Moi, je veux dire, ce que on ne comprend pas, c'est qu'on ne communique ni aucune Ah, mais vous nous expertise. demandez à nous, mais Non, nous, non, on non, peut non, pas. non, C'est non, l'État non, qui non, vous non, mais demande. attendez. Nous, on ne communique pas le truc. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est une expertise par l'ONF. Voilà. Nous, c'est comme si vous nous disiez, il y a quelqu'un qui vient nous dit, vous construisez un mur. Nous, on ne sait pas, nous.
Bah, vous savez lire, vous avez vu l'arrêté que ça concerne que de l'élagage. Tout ça, on ne sait pas. Non. Comment vous êtes calé, c'est ce qu'on dit. Non, mais monsieur, vous êtes au courant qu'il y a marqué que l'arrêté, c'est que l'élagage. Or là, c'est un abattage, on est d'accord. Voilà. Donc c'est un élagage et un abattage, c'est pas valable. Bah, tu veux te mettre au milieu, c'est au milieu. Les deux. Bah écoute, on fait un peu plus, on ramène les gens. Moi je fais un petit direct. Alors oui, donc venez les gens, là, faites passer un appel sur les réseaux. Il faut venir, ils veulent couper cet arbre. Qui place la corderie, venez, abonnez les gens de la plaine haute, venez vite, avant qu'ils soient coupés, parce que l'expertise ne communique pas. Là, ils manœuvrent leur truc, ils vont se mettre en place. Hein. Non, il a que 100 ans. Pas vieux, si on peut le soigner, on peut le soigner. Mais c'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut sauver le Mais tous les 20 ans, ils peuvent pas être malades, les souffrants du Japon. Société d'horticulture dit que, allez sur le site de la Société d'horticulture, il n'y a pas de maladie connue pour le sophora de Japon. Alors explique. Ben nous on sait, nous on vous dit ce qu'on sait. Donc venez au lieu de regarder, venez à la place de la corderie. Ils ont emmené cette grosse pelle mécanique, ils ont emmené ce qui loue tout. Machin, un élévateur, au moins une dizaine, voilà. Quand tu abattes ce truc, le monsieur de la métropole dit et l'arrêté n'est pas valable. Non, je ne calcule pas sur vos problèmes. Mais on s'en fout qu'ils sont pas valables, pas le truc, c'est l'action qui est là. C'est pas un permis. Eh ben si, ça me permet. Ça... On a justement sans permis. Ils vont venir vos collègues, vous savez pas? Ah, je sais pas, hein. Moi je... C'est gentil de venir. Bonjour. Ben moi j'ai fait un petit direct pour essayer de remettre des gens. Oui, c'est bien. Mais bon, le truc c'est que c'est pas légal. Moi en plus ils disent ils partent en vacances demain, ce soir. Ils partent en vacances quand? Ben les ouvriers. Ben, ils font pas, on fait l'expertise, quand ils reviennent de vacances, on voit. Moi, je voudrais faire, j'ai contacté l'ONF, on m'a dit, la dame principale, elle est en vacances jusqu'au 17. J'ai un monsieur de truc, Charles Sequoia, qui est à l'ambest, qui me dit, s'ils abattent pas, moi, je peux venir voir les trucs, c'est ceux qui font de la taille douce. Ils peuvent faire aussi une expertise aussi. Une deuxième expertise. Moi, je ne l'ai pas eu l'expertise, je m'en fous. Ouais, mais c'est trop tard, ils vont l'abattre aujourd'hui. Ils vont l'abattre. Si on les empêche, ils ne l'abattent pas. Qu'est-ce que vous pouvez vous mettre devant la... Si on se met sous l'arbre, ils ne peuvent pas couper. Si on se met sous l'arbre, ils ne peuvent pas couper. La police, en ce moment, ils ont autre chose à s'occuper. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont autre chose à faire, la police. À ce moment, ils sont plus ou moins en grève. Hein. Et Sandy, tu comptes pas t'approcher de là? Ah, tu peux pas quand on défend les choses, on défend. Hein. On peut pas. Donc venez, remettez des gens, quoi. Ce serait bien. Pour la plaine, les arbres, il y avait du monde. Il n'y a pas à l'arrêter. Là, c'est marqué pour la taille d'arbre. Regardez bien, c'est marqué pour la taille et l'élagage.
à samedi. Ah, je peux pas me mettre sur l'herbe, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Mais non, attends. J'aime le droit. Si on se met sous l'arbre, si on se met à côté de l'arbre, ils peuvent pas travailler, ils n'ont pas le droit. Peut-être. Bon, ben, ça ne durera pas toute la journée. Non, non. Mais... Vous avez discuté avec le monsieur de la métropole. Le monsieur de la métropole, il ne veut pas discuter avec moi. Il dit qu'il n'a pas à fournir le. Qu'il n'a pas à fournir. Essayez de discuter. Il veut pas. Il dit qu'il n'a pas à fournir l'expertise. C'est un document public. Mais non, mais c'est un document public, monsieur. Si vous refusez, vous êtes filmé, vous refusez de donner le document de la métropole. C'est un document public. C'est payé avec votre argent, vous êtes payé avec l'argent public. La métropole. Parce que c'est pas parce qu'il y a un champignon et qu'il y a ça qui a cassé. Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes, on m'a dit, bah, l'arbre qui a cassé, c'est, bah, il y a eu du vent, c'est le choc hydrique. C'est le choc hydrique. Non, mais c'est dans la nuit du 7 au 8 septembre. J'ai fait des photos, je les ai fait. Moi, je sais que c'était une grande planche qui était en rapport et je n'ai pas été étonné qu'elle casse, que bon, parce qu'elle avait un grand défaut. Oui, et puis vous voyez pas qu'ils ont cet arbre, ce genre d'arbre, il faut couper que les petites branches sans en prendre aux branches charpentières. Puisque vous habitez là, ils ont massacré les trucs. Donc merci de faire passer sur les réseaux, ramenez-vous. Voilà. Bon, moi je vais pas faire le direct pendant 2 heures. Ramenez les gens, ça serait bien. Voilà. Au revoir. Bande de cons. Venez, ils veulent abattre l'arbre. Venez, bougez-vous les écolos, là, machin. Putain, bande de cons, là. Bande de cons. Madame Sylvander, on se connaît. Ils m'ont molesté les flics. Mais non, mais il faut pas. Bonjour, on se connaît, vous connaissez. Si on était plusieurs, ils ne pourraient pas le faire. Il faut qu'on soit plusieurs. Vous êtes quoi, de la métropole ou non? Ben oui, ben moi, il faut qu'on soit plusieurs. Si on est plusieurs, ils ne molestent pas. Ben, ils m'ont molesté. Je suis descendue. Ben oui, mais il faut se mettre sous l'arbre, comme ça, ils ne peuvent pas. Moi, j'étais tout seul, ils m'ont molesté. Si on est plusieurs, ils ne peuvent pas. Ben, on est plus de trois, ça. Ben bien. Bien, ouais. Mes policiers, ben la police. Écoutez, monsieur, je veux voir l'expertise. Mais monsieur, vous ne verrez pas l'expertise. Je verrai pas. Pourquoi c'est un document public? Tu la verras pas. Mais là, vous il n'y en a pas. C'est un document public, monsieur. C'est un document public. Oui, mais c'est un mensonge. Je ne veux pas te le proposer. Tout ça, monsieur. Mais là, ils ne vous représenteront pas à vous personnellement. Mais bien sûr, mais je suis président de l'association. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si, c'est un document public. Monsieur, depuis tout à l'heure, je parle avec le. J'ai eu le NF. Présent, monsieur. Ça se passe très bien. Quoi? Vous parlez avec qui? Avec monsieur qui est là, qui est avocat, donc on discute de tout ça. Oui, ben, mais... Donc voilà. Non, mais monsieur, vous êtes avocat, il paraît? Écoutez la force publique. Mais... Allez, ça sert à rien. Nous, hein. Personne n'y est pour rien. Les fautifs, c'est ceux qui ont pris la décision. Non, mais attendez, ça pour rien. Ils appliquent un arrêté qui n'est pas valable. D'accord, oui. C'est pas le problème, l'arrêté. Mais si, ça sert. Le recours n'est pas suspensif, de toutes les façons, ça sert à rien. Ce monsieur de la métropole, il refuse de montrer les papiers. Hein. Il refuse de montrer les expertises. Hein. Il refuse tous de montrer les expertises. Mais je suis sur la voie publique.
Je suis sur la voie publique. Eh bien, vous vous tournez de mettez-vous de dos. Eh bien, mettez-vous de dos. Eh bien, vous mettez. Vous mettez de dos. Mais vous mettez de dos. Répondez-moi. Je vous dis, vous vous mettez de dos. Je filme la scène, vous mettez de dos, c'est tout. Vous voulez pas être filmé, mettez-vous un masque. Périmètre, périmètre de quoi? Il est où le périmètre? Où il est l'arrêté? Il est où qu'il y a un arrêté qui a un périmètre? Non, il n'y a pas d'arrêté comme quoi il y a un périmètre. Il est où l'arrêté qui a un périmètre? Il faut le prendre sur la gueule. Il est où l'arrêté qui a un périmètre? Attendez, sur un périmètre, c'est pour l'élagage des micoucouliers dans les rues. Un périmètre. Un périmètre. Un périmètre, mon cul, un périmètre. Un périmètre. Il y a un périmètre, il n'est pas légal. Je suis sur la voie publique, il n'y a pas de périmètre. Alors. Tu en es où, là, de tes appels? Ouais, ouais. Ben écoutez, moi je veux voir qu'il y a un périmètre fixé par l'arrêté. Non, attendez, il y a un périmètre. Le périmètre doit être fixé par un arrêté. Où est l'arrêté qui fait ce périmètre? Ben, il n'y en a pas. C'est vide. C'est une honte. Attendez, et le périmètre, il n'y a pas d'arrêté qui délimite ce périmètre. Vous n'avez pas fini d'entendre parler, vous, la police municipale. Vous n'avez pas fini d'entendre parler. Oui, oui, vous verrez. Vous verrez, vous verrez. Non, c'est pas des menaces, je parle à la police. Payant, vendu à Vassal, tous pourris. On peut faire baisser à Macron si tu veux les sous. Tous pourris. Macron, il a dit, il faut qu'ils s'entendent. Oui, tous pourris, tous vendus. Vendus. Oui, ben, t'as, moi, allez, toi, t'es vendu, toi aussi. Oui, c'est ça, oui, c'est vendu. Oui. Je suis vendu. Ah, tu vois, mais c'était malade, c'est vrai, regarde. Et la France, je vais enfoncer dans le cul, alors. Aïe. Payant, assassin, écocide, ayant, écocide, payant, écocide, vassal, assassin de la nature. Une poufiasse. Une poufiasse aussi. Quelle heure retourne, vous savez ce qu'elle faisait, vassal? Non, vassal, elle a coulé son entreprise de tissu pour bosser pour l'armée. C'est une honte. Quand vous expliquerez à vos enfants qui crèvent au rond de chaleur, vous leur expliquerez. Oui, est-ce que vous leur expliquerez? Vous leur expliquerez à vos enfants, oui, vous leur expliquerez. Quand vous crèverez de chaud, dans le futur, vous y penserez. Vous y penserez. Mon mère, leur périmètre, il y en a marre. Faut chier. L'arrêté est illégal. Vous êtes journaliste ou non? C'est ça, c'est de l'élagage. Et il y a la police municipale là-bas. Voilà, la police municipale. Police municipale, milice du capital. Police municipale, milice du capital. Police municipale, milice de vassal. Alors, et vous, si vous voulez pas être filmé, vous dégagez. Merde. Je vis, hein. Si vous voulez pas être filmé, vous dégagez de la voie publique. Hein. Vous êtes pas dans le pire. Moi, je circule. Je filme le truc. Il n'y a pas de chute, monsieur. Je vais porter plainte. Allez-y, le directeur. Allez, c'est bon. Vous dégagez. Espèce de vendu.
Espèce de salopards, tous ces salopards là. Salopards là, tous les élus. Soit-disant, il est malade, il n'y a même pas, il file même pas l'expertise. Bande d'escrocs, hein. Et pour mémoire, bon, comme ça on saura le truc. Voilà, la police municipale, c'est cette immatriculation. Voilà. Voilà, pendant un instant, elle, les écolos, ils êtes où là, les bars, le machin, tout ça là. Ils sont tout. Hein? Vous êtes où? Vous êtes où tout ça? Voilà, la politique écolo de la ville. La politique écolo de la ville, hein. Politique écolo de la ville, la police municipale, hein, qui est pas complice de Vassal. Voilà, voyez la police municipale? Voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils protègent. Ils m'ont molesté tout à l'heure. Voilà ce qu'ils veulent, le massacre qu'ils font. Et vous êtes tous les gens qui défendent l'écologie, hein? Vous êtes tous, hein, tous ces gens? Vous êtes tous. Et le mec là-bas, là, le mec là, bleu, là, le mec de l'ancien directeur de la métropole qui a reçu des trucs. C'est dégueulasse, tout c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça, on voit mieux. On voit mieux, ouais. On voit mieux, on voit toujours clair que... Alors le directeur qui veut pas me dire son nom, c'est... Bande de salopards, là. Bande de salopards, bande d'escrocs. Vous le... Bande de connards, là. Venez, bordel de merde, si vous étiez nombreux... Vous êtes tous les gens de la plaine, là, et autres, les écolos. Vous êtes tous, hein. Vous êtes tous les gens de la plaine et autres. Les écolos, il est où là, Barre, Sébastien Barre là? Il est où Sébastien Barre là? Il est où? Hey, Hervé Manchon là, pourquoi tu aurais pu venir quand même, Hervé Manchon? Mais des alobards là. Ils vont le payer là. Il y a le son, hein, monsieur. Mais coupe-le. Non, je coupe pas, je coupe rien du tout, moi. Je coupe rien, moi. Il y a même pas, ils ont pas arrêté les gars, il y a rien de légal là, cette histoire. Rien de légal. Rien de légal. Tout est illégal. Tout est illégal. Voilà les écolos de la ville de Marseille. L'arrêté est illégal. Il y a rien de... Tout est illégal. Tout est illégal. Tout est illégal, totalement illégal. C'est même pas des gens. Tout est illégal. Voilà, c'est du travail de sagouin, hein. Tout est illégal. Le mec en bleu là, qui est de dos, le mec en bleu là.
le mec en bleu là qui regarde, ben voilà, c'est le mec de la métropole qui veut pas te filmer. Il veut pas te filmer, le mec de la métropole. Et ben mais toi pas filmé, ben j'ai. Voyez pas qu'il en a, de toute façon il a... Mais moi tout vous allez voir, je vais la faire la procédure. Il y a déjà Sophie Gamard qui a deux procédures au tribunal administratif, elle nous avait empêché de pénétrer au conseil d'arrondissement. Parce qu'elle voulait qu'elle parle à la tendrie. Vous savez, on n'est pas la première procédure de la ville. Il y a Sophie Camard, deux fois des conseils municipaux, deux arrondissements, elle nous a fait bloquer à l'entrée, alors qu'on ne faisait rien, on avait simplement écrit qu'il voulait qu'on parle de la corderie. Ce que je veux dire, ils sont de l'illégalité, là, totalement. Là, je m'y attendais pas. Totalement illégal. Ça, s'il y en a qui veut, si jamais moi je fais une procédure, moi je vais la faire, la procédure. Parce que le truc, il est illégal. Quand c'est illégal, c'est illégal. Voilà, elle est belle celle-là. Allez, on levait les vite. Ce qu'il faut que vous essayiez aussi, c'est de prendre des bouts de branches. Il y a une banderole, là. Oui, il y a même banderole, ouais. Ce qu'il faut essayer de prendre, c'est des bouts de branches ou de troncs ou des trucs. Parce que... Il est pas malade. C'est pourquoi le bois est... Oui, mais bon, si je... Et si vous avez été plusieurs, venez avec moi... Si vous avez été plusieurs à venir avec moi, il ne m'aurait pas molesté, il n'aurait pas coupé. Voilà. Non, je ne parle pas de vous, madame. Je parle que si on était plusieurs, avait été plusieurs et qu'il y avait plus de monde. Vous habitez le quartier, non? Vous habitez le quartier? Ah oui, d'accord. Parce qu'on se connaît de vue. On se connaît de vue, je ne sais pas. Oui. Non, mais j'ai mis. Je pense que je vais la faire, la procédure. Ouais, vous devriez, ouais. Votre collègue, il m'a pris par les gants, il m'a serré, il m'a poussé. D'accord. Vous êtes là, vous êtes les pompiers? C'est une question simple, c'est pas de l'ironie, hein. Si vous êtes blessé. C'est pas de l'ironie, monsieur. Je suis pas blessé, mais si j'ai des traces de bleu, je porte plainte. Il n'y a pas de souci, monsieur. Oui. Pas de souci. Pour en revenir à votre association. Oui, ben moi je filme. Mais se décale si vous voulez. Ben moi il faut que je filme en direct. Ah, foutre. Tout ça se paiera, hein. Le destin fait payer toujours les gens. Le destin se chargera de les faire tous payer. Je me souviendrai si elle est molestée par la police municipale. Ça me souviendrait, hein. Je m'en souviens dans une certaine. Je m'en souviens de cette bande de cons. Alors que là, il y a des trucs de bande de merde.
qui crée tous. L'écologie. Avant de partir en vacances. En tout cas, je sais pas où vous êtes, les gens de la plaine et autres. Hein. Je sais pas où vous êtes. Hein. Les gens de la plaine. Hein. Écologie à Marseille, ville écologiste. Laissez-moi rire, oui l'écologiste. Laissez-moi rire, oui l'écologiste. Bande de salopards. On perd à tous, tout le monde perd à rien. Ils sont où France 3? Ils sont pas là? France 3, ils viennent pas? BFM, j'ai envoyé le mail, j'ai envoyé un. On va payer, on va payer. Tout le monde va le payer. Voilà, voilà la politique de Benoît Payan et autres. Voilà. Politique de Benoît Payan. Hein? La politique écologiste. Voilà la politique écologiste de la ville. Il y a son an, il est malade, ils fournissent pas le truc sanitaire, rien. On fournit rien. On fournit rien. On fournit rien. Intéressant. Hein. On fournit rien. On fournit rien. On fournit pas les papiers. Et ça, ils viennent pas à France 3? Ah bon? Ah ouais. J'ai une honte. Voilà la ville, la politique de la ville. Elle est belle, la politique de la ville. Politique de la ville, voilà. Eh merde, c'est ça. C'est de la ville. Quand vous raconterez à vos enfants, si vous avez des enfants, vous, tout le monde le regrettera, vous y penserez. J'ai un massacre des arbres. Voilà, tout le monde sera content. Hein. Il est content. Hein. Tout le monde sera content. Voilà la politique de Benoît Payan et autres. Quand vous, si vous avez des petits-enfants, on pourrait leur expliquer que quand ils crèveront de chaleur, quand ils, tous ces gens qui font ça, hein. Et ça, ce monsieur de la métropole, il veut pas filer les documents et autres, il veut pas être filmé, il veut rien. C'est un planqué encore, un planqué de plus. Il n'y a pas l'arrêté pour de l'élagage, il n'est pas, il n'y a rien d'illégal. Ben oui, mais il n'y a pas, oui, ben, il y a pas, il veut, file pas le truc sanitaire. Il file pas l'arrêté. Allez voir le monsieur de la métropole, là. Le directeur de la soirée de la métropole. Oui, la police municipale m'a molesté tout à l'heure. Ils m'ont molesté tout à l'heure. Ils m'ont molesté, la police municipale. En tout cas, tu peux le publier quand ils vont me laisser. Hein. Je l'enverrai. Non, mais tu peux le publier. Mais il y a les photos, il y a les visages, les sites. Non, tu as le droit. Si, si, tu as le droit, c'est la voie publique. Ça, le droit.
T'as le droit. Ils n'ont pas le droit d'intervenir comme ça. Comment? Eh ben moi je m'en vais, je suis hors de moi, attends, moi j'allais les arts. Je suis pas tout seul. Ben oui, mais si tout le monde était venu sous l'arbre, ben, il aurait pas coupé. Oui, ben personne n'est venu, j'étais tout seul comme d'habitude. Comme quand j'étais à la corderie qui coupait un arbre, que j'étais molesté aussi. On est la sueur dans la gueule en plus. Voilà, sueur dans la gueule. Voilà la politique de Payan. Vous savez que c'est illégal ce qu'il est en train de faire, hein? Oui, c'est vrai parce qu'il est malade. C'est le monsieur de la métropole, même ils ne fournissent pas les arrêtés. Le truc soit qu'il est malade, ils ne fournissent pas leurs attestations. L'arrêté concerne de la gaz et ils abattent des trucs, ils étaient molestés par la police municipale. Oui, c'est n'importe quoi, oui. C'est un arbre qui a 100 ans et qui peut vivre 500 ans. Voilà, on est content, tout le monde est content. Hein. J'en ai marre, tout ce qui est. Voilà la politique de Benoît Payan et autres. Voilà. Benoît Payan, tout ça, c'est tout pareil. Voilà la police municipale. Il est parti, Franck? Ouais, mais bon, il est pas venu. Toi, tu dis qu'il. S'excuser. Pourquoi s'excuser? Parce que ça pas. En fait, ils n'ont pas eu le choix. Ils avaient un ordre. Je ne voulais pas être sous l'arbre. Je ne voulais pas partir. Mais ils n'avaient pas le droit. Là, l'arrêté n'est pas légal. Ils disent que ils avaient un arrêté qui leur a montré. Ils avaient. Eh ben, il n'est pas affiché. Ben oui, je sais. Il faut vivement de faire un repos. Oui, mais on le fait en zone. Hein, Moi, je les ferai, les recours. J'ai pris toutes les photos, les trucs. J'ai tout. Je filme tout, moi. Et le mec de la métropole, il est sur les vidéos. Si ça lui plaît pas, il ira dans l'os. Ce qu'il faut, c'est de prendre des branches ou des trucs pour analyser. Et prendre des photos de la souche. Il n'a pas assez de branches par terre. Et les photos de la souche. Et les photos de la souche. Comment? Non, il faut prendre des photos des souches. Parce que le bois, s'il est marron, c'est normal. C'est la spécificité du sophora. Il m'énerve, je me fous de temps en temps, le truc automatique, ça me gosse. Je me souviendrai là. Je me souviendrai, les parents tous. Je vais me rendre demain, c'est ça. Eh merde. Il m'énerve ce truc. Voilà, la politique écolo de la ville. Un arbre qui pouvait vivre 100 ans, 500 ans. Voilà ce qu'ils en font à la vie et autres. Ah, les ouvriers, quand vous parlerez à vos enfants, si vous avez des enfants,
qui crèveront de chaleur. Qu'est-ce que tu faisais, papy, quand t'étais jeune? Je massacrais les arbres. Oui. Massacrer les arbres, hein? Massacrer les arbres, eh oui. Eh oui, hein. Massacrer les arbres. Massacrer les arbres. Ils sont contents, hein? Tout le monde est content. Tout le monde est content, hein? Bon, merci Madame Vassal et Monsieur Payan, hein? Oui, ce dedans, il est malade, mais ce monsieur qui est la métropole, là, en bleu, il refuse de montrer. L'arrêté n'est pas valable, parce que c'est un arrêté pour la gage des rues. Et la police municipale m'a molesté. Et ils veulent pas filer les documents comme quoi soi-disant il est malade. Ni la mairie, ni la métropole. Ça fait, moi j'habitais là pendant 20 ans. Mais il est pas malade. Soi-disant, parce que non, il abatte complètement. Eh ben, oui. Alors, parce que soi-disant parce qu'il est malade. Soi-disant. Eh ben justement, ils fournissent pas les papiers. C'est pour mettre le tramway ici. Oui, on le sait. C'est pour ça, c'est pour ça. Dégueulasse. Ben oui, mais le problème, moi j'étais tout seul sous l'arbre tout à l'heure. Ah, j'ai été molesté. J'étais, ben on essaie de diffuser au maximum. Ouais. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils viennent, ils sont pas venus. C'est une horreur, c'est un malheur. Ah là là. Vous n'en aurez plus d'arbres, c'est fini. Je peux vous filmer? Je fais un direct. Non mais je peux vous filmer là? Ah, filmer comme ça vous... En direct, je suis en direct quoi. Ouais. Non, la dame elle explique, la dame elle explique. Non mais... On a du mal avec le bruit et... Non mais c'est la métropole, la mairie couvre. La plaine et tout, nous sommes bien. Oui, mais la mairie couvre parce qu'ils ont envoyé la police municipale pour me faire... Oui, mais j'en fais quoi, là? Une drogue. Alors, moi, je peux vous en prendre une symbolique. Il faut tout débrancher, ouais. Attends, je suis très triste de vous dire. Bon courage, madame. Merci. Bah, là, c'est une fête, action, hein. Non, c'est tout à l'heure, là, après. Eh oui. On a essayé de rameuter un maximum de la Marseillaise. Eh bien, mille babors, je l'ai renvoyé, ils l'ont pas publié. Ils sont en vacances. Ils sont en vacances. Non, ben moi, je suis pas d'abord parce que là, on va le dénoncer même après. Allez, au revoir. Au revoir. J'ai plein de pieds, je lance ça. Ben moi j'ai une association qui s'appelle Arthrèse. Voilà, j'essaie de défendre la corderie et les trucs, mais bon. Moi j'ai planté. Voilà, donc je sais pas où vous êtes tous les soldats écolo. Oh, merde. Un arbre qui est pas soi-disant malade et qui fournisse pas le truc comme quoi il est malade et l'arrêté même pas légal. Le père,
Tout le monde le paiera. Les paieront tous. Les paieront tous. Le paieront tous. Le paieront tous. Tout le monde le paiera. Hein? Tout le monde le paiera. La métropole, vous fournissez pas les trucs, vous devrez avoir honte. Oui, vous devez avoir honte, vous fournissez pas les papiers. Hein? Comment? Les papiers, ben oui, vous devez fournir des papiers, oui, vous devez fournir des papiers. Et fournir des papiers, ils fournissent pas les papiers, ils disent qu'ils les mettent. Un arbre, ils fournissent aucun papier comme la preuve qu'il est malade. L'arrêté concerne que l'autorisation d'élaguer les arbres sur les rues de Marseille. C'est ce monsieur là-bas, la métropole qui dit on fait ce qu'on veut, la police municipale a prêté la main, moi j'étais à côté de l'arbre, ils m'ont molesté. Voilà la politique de la ville. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Je pensais juste avant de partir en vacances. Hein? Juste avant de partir en vacances. Tout le monde le paiera. Hein? Tout le monde va le payer tout ça. Tout le monde va le payer. Hein. Tout le monde va le payer. On va se payer tout ça, voilà. Tout le monde va le payer, voilà. Ça va se payer. Ça se payait après la porte d'Aix. Après la porte d'Aix. C'est là, c'est cet arbre-là. Hein? Après la porte d'Aix. À la porte d'Aix, hein? À la porte d'Aix. Après la porte d'Aix. Mais c'est pas que... C'est pas des humains, ils ont le droit de refuser d'agir à des ordres qui ne sont pas légaux. Quand il y a un arrêté qui n'est pas légal, vous ne devez pas l'appliquer. Il est où l'arrêté? Il doit être. S'il n'est pas affiché, il n'y a pas d'affiche. Un arrêté s'il n'est pas affiché. Ah, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ah, mais moi je peux vous dire que la procédure qui est contre le ministère, contre l'État, pour la corderie, et les trucs qui sont pour, contre Sophie Camard qui nous empêchait d'accéder à deux conseils d'arrondissement, elle les a contre elle, madame Sophie Camard. Hein? Eh oui. D'ailleurs, c'est son secteur, madame Sophie Camard, c'est dans les deux contre l'abattage des arbres. Ah, je rigole, tiens. Madame Sophie Camard. Il y a beaucoup de convictions d'ailleurs, parce qu'elle a changé 50 fois de parti. Elle a été aux Verts, aux Insoumis, il y a beaucoup de gens de convictions. Hein. Des convictions. Des gens qui ont des convictions, bien sûr.
Et oui, quand il y a des convictions. Des convictions. Moi, tu vois, je vais te dire, quand tout le monde crèvera de chaleur, moi, je vais bien rigoler. Non mais attendez, il y a un arrêté qui est valable pour 30, pour six, un an pour aller la gage dans les rues de Marseille. Si m'a dit, le mec en rage, il m'a dit c'était pour aimer la gage. Il y a une erreur de frappe sur le papier parce que c'est pour aller abattre. Donc ça te répond sur le papier. Eh ben oui, ben alors ils doivent pas l'abattre. Ouais, mais tu veux chasse quoi, je retourne, je moi je peux pas y aller. Oh, écoute, ben sauf que la police municipale a pas. Vous avez appliqué un truc qui est illégal. Si tu passes là maintenant qu'à pleurer, tu t'assois, ils vont pas venir te prendre. C'est ça que je comprends pas. Tu t'assois, ils vont pas venir te porter, ils vont te laisser là-bas. Ah oui, maintenant qu'il est abattu. Mais tout à l'heure aussi, je t'ai dit assis-toi. Tu cries, tu. Mais j'ai. Mais... Tu serais assis devant là. Les gens seraient venus te rejoindre, tu ne t'aurais pas attrapé, ils n'allaient pas vous porter un peu. Mais j'étais. Mais j'ai le droit d'être debout, c'est pareil. Moi, la porte de risque, ça aurait été parce que c'est un oui, ben tu es venu t'asseoir, toi. Non. Moi, je peux pas. Ouais, tu peux jamais. Je veux dire, tu peux pas. C'est pas vrai que tu peux pas. Tu peux pas parce que quand il y a la corderie, on défendait, tu pouvais pas te mettre au bord à la banderole non plus. Vous pouvez, personne ne peut jamais rien faire. Hein? Je peux te mettre sous l'arbre. Tu peux jamais pas rien faire. De toute façon, personne ne peut rien faire. Personne ne peut rien faire. Et pourquoi vous me dégageriez pas maintenant et vous me avez dégagé tout à l'heure? Parce que je crie. Parce que je crie. Personne. Ouais, c'est ça. Va bah, t'asseoir. Va bah, t'asseoir. Ouais. Tu arraches le document là, tu te mets là, tu leur dis voilà. Il y a marqué la carte. Oui, ben bah, c'est. Personne n'a le courage de rien faire. Alors, vous n'avez pas le courage, vous m'avez les marres. Moi, je vais te dire, moi, tout le monde me dit, moi, j'ai ma soeur qui est aveugle, une sclérose en plaques qui ne marche pas, si j'ai le moindre problème, elle crève. Non, c'est sérieux ce que j'ai dit, là. Oui, ben, vous croyez. Vous voyez, mais tout le monde s'en fout. Elle va la battre, alors, mais ben, laissez-la battre, hein. Tout le monde sera content, hein. Eh bien, Sandy, si soi-disant s'il y a une erreur, eh ben, la police municipale doit leur dire vous devez arrêter. Je suis pas en train de crier, moi. Oui, eh bien, t'es pas en train de crier. Pas en train de crier, on n'a pas la même vie, hein, moi je veux dire, j'ai une vie fatiguée. J'ai une vie très fatigante et tout. Du moment où on se met sous l'arbre, ils n'ont pas le droit de travailler. Et vous, vous n'avez pas à intervenir. La mairie a abusé de pouvoir, abus de pouvoir. C'est tout. Si c'est de l'élagage, ils s'arrêtent là. Et Sandy, pourquoi ils ont qu'à pas le couper? Ils sont en train de voir, oui, s'il te plaît. Oui, oui, s'il te plaît. Parce que je veux dire, messieurs, s'il a des problèmes, c'est que cet arbre, ils l'ont souvent taillé, même comme soit taillé comme ça, depuis des années, ils l'ont massacré, alors qu'on doit s'en prendre qu'aux petites branches à cet arbre-là. Voilà, s'il est devenu instable ou autre, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit.
Ils en font n'importe quoi depuis des années. Oui, bah oui, bah j'ai été molesté par la police municipale. Et puis là, il y a une erreur. Il y a marqué la gage, il aurait dû marquer abattage. Ah ouais. C'était la gage ou c'était l'abattage? Ben, apparemment, c'est l'abattage, sauf que la police municipale a prêté main, ils n'avaient pas le droit. Je leur ai dit, ils m'ont molesté. Ils m'ont molesté, moi, ils n'avaient pas le droit. On n'a pas le droit. Quand on applique des ordres qui ne sont pas légaux, on ne doit pas les appliquer, c'est tout. J'en ai marre la fin de l'année. Arrivé à la con, j'en ai marre. Sinon, t'as pas de plage, et la métropole me dit que c'est une erreur de frappe, et quand même, ils continuent, donc c'est quand même particulier. Et là, au fur et à mesure, on le voit se déliter, on n'a pas l'impression qu'il va tomber, il y a l'air même pour le Tu viens tout assis avec moi ou de... Voilà. Tu peux. Ben Franck, il est. Mais bien sûr. Franck, il est. Franck, il est parti. Il est parti accompagner une de ses filles. Voilà. Bah écoutez, si vous allez sous l'arbre, ils ne coupent pas. Moi, ils m'ont molesté tout à l'heure. Si on allait sous l'arbre, si on se met sous l'arbre, ils sont obligés d'arrêter. Maintenant, la police municipale, elle dit, ah oui, mais ils n'ont pas le droit de... Ça, il y a une erreur. Si on allait plusieurs, et la dame, elle ne veut pas aller, si on allait plusieurs sous l'arbre, ils sont obligés d'arrêter. Ah, les municipaux, ah ben maintenant ils disent, ah ben apparemment il y a une erreur, mais bon voilà. Et puis ben, ils m'empêchent. Ben si vous essayez d'y aller, hein, si vous voulez m'empêcher de sauver l'arbre. Moi je suis allé tout à l'heure, ils m'ont molesté alors. Si on y avait été plusieurs, tout le monde m'a regardé me faire molester. Ils m'ont poussé, voilà. Je leur ai dit que c'était pas légal. Ils l'ont appliqué. Mais disons qu'il était malade. Regardez, il a un beau tronc, hein. Mais il est très bien. Malade, hein. Ben allez, leur demander aux policiers municipaux de le faire arrêter. Messieurs, puisque là l'arrêté il est égal, il faut leur demander, vous demander de les faire. Monsieur. Monsieur, je ne sais pas qui est le responsable, vous. Monsieur de dos, là, je ne sais pas comment vous appelez. Monsieur. Puisque c'est illégal, eh bien, il faut leur dire d'arrêter. Si vous ne les faites pas arrêter, c'est pas légal. Je vous demande de les faire arrêter. Moi j'étais tout seul sous l'arbre, il me moleste à 4, alors je vais quoi moi. La dame de l'association, elle me dit, elle ne veut jamais se mettre à tous les trucs. Allez, tout le monde est content comme ça. Malade à l'arbre, hein. Il n'est pas malade du tout l'arbre. Hein. Eh ben demandez-leur.
On leur a donné des consignes, mais demandez-leur de faire arrêter. Vous avez appliqué un arrêté illégal, donc vous savez que vous allez être dans l'illégalité. Ils reconnaissent qu'ils sont dans l'illégalité, tout est illégal. Vous avez appliqué un truc illégal. Hein. Vous avez appliqué un arrêté illégal, je vous ai prévenu, vous l'avez appliqué, donc vous, tout le monde devra en répondre. Je leur ai dit que c'était illégal. Ils m'ont pas écouté, ils m'ont molesté, ils m'ont poussé dehors. Je vous avais prévenu que le truc était illégal, vous m'avez pas écouté. Je le vois comme il est malade à l'arbre. Malade. Pas malade à l'arbre. Hein. Il s'en vient malade alors. Vous voyez alors, moi, comme il est malade, il n'est pas malade du tout. C'est le seul à me mettre sous l'arbre, alors de toute façon. Pourquoi il le laisse pas, puis il va pas tomber ça. Et alors? Et la police municipale, pourquoi les arrête pas? Je ne comprends pas, puisque l'arrêté est illégal, pourquoi la police municipale ne les arrête pas? La police municipale protège un acte illégal. Donc moi je leur ai dit, la police municipale devra en répondre. Je me dis, c'est une menace. Non, c'est un fait. Si la police municipale et les agents appliquent un truc illégal, ils sont tous responsables, y compris les agents sur le terrain. Tu leur as demandé leur numéro de patrouille? Non. Je m'en fous, j'ai leur plaqué les minéralogiques. Quand la police municipale de Marseille protège un acte illégal, on les en informe, ils continuent à la protéger. Bon. Allez-y. Eh merde, ça s'est tourné encore. Voilà. Tout le monde sait, tout le monde est content. Vous verrez quand monsieur jeune homme, quand il sort, il coupe cet arbre, tout le monde crèvera de chaud et tout le monde sera content. Ah oui, les municipales. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Hein? Tout le monde est content. On est content, là. On est content, hein. Vous êtes fiers, hein. Très fiers. Connard. Vous êtes tous fiers, hein. Vous êtes fiers et tous fiers.
cantonné, merde. La police municipale qui protège cet arbre. Voilà. Destruction d'un arbre. Un abattage illégal, tout est illégal, et ils fournissent pas le truc. Il est pas malade cet arbre. C'est d'autant plus illégal que ils sont protégés dans la barre, par le préfet. Donc c'est pour ça que je fais le courrier au préfet en disant pourquoi ils ont coupé l'arbre, ils ont le droit. On a un plan de qui interdit la protection de l'arbre. Et le maire de Marseille, je vous ai dit calmement. C'est là-bas, vous pouvez le trouver sur internet. Voilà. Dominant végétal à préserver et à mettre en valeur. Ils n'ont pas le droit de l'écouter. Maintien et rétablissement de caractère amoureux, le niveau central de la place, la mise en scène de tout le monde. Donc ils ne doivent pas l'écouter en fait, c'est une protection. Maintien de la composition végétale, arbres et parterre. Alors, on a commencé par couper le parterre devant. Aujourd'hui, on coupe l'arbre, on va finir par couper les autres. Il n'y aura plus rien. Alors que c'est interdit. Donc moi, je vais faire un courrier dans ce sens au préfet, oui. En disant que c'est interdit. Oui, ben moi, j'ai mis fait un courrier à Payan, un mail, que c'était illégal, le truc. Faites-vous écraser, ça sera bien fait. Voilà, comme ça, il aura tué des gens en le coupant. Ils auraient été contents, comme ça. La nature fait tout sur le fera payer aux gens. Ce qu'il aurait fallu, c'est que David suive le camion pour savoir où ils mettent le bois. Moi, je peux pas, j'ai pas le temps d'aller chercher ma bagnole. Ils devaient, la police municipale, ils devaient les empêcher de faire. Je sais. Eh bien, pourquoi ils l'ont pas empêché? Je sais pas. Demain, monsieur, pourquoi vous les avez pas empêchés de faire, puisque vous savez que c'est illégal? Qu'est-ce qui est illégal, monsieur? Ben, la coupe. Bah oui. Ouais, mais c'est un beau fiasco. Vous savez, vous connaissez la jurisprudence Papon? Non, mais ce que vous connaissez, monsieur, là, je vous pose juste la question. Est-ce que vous connaissez la jurisprudence Papon? Quand vous avez un ordre illégal, il doit pas, les agents, peu importe de l'État, peu importe des collectivités locales ou autres, doivent aussi refuser de l'appliquer. Sinon, il pourra en tenir responsable. C'est d'ailleurs pour ça que Papon a été condamné. Alors, vous comparez Papon, est-ce qu'il est en train de se passer là? C'est un acte illégal. Ouais. Ben, c'est un acte illégal, ouais. C'est pareil. Ouais. Ben oui, on a le droit de refuser d'obéir. Ouais. C'est ce qu'avait fait Jean Moulin d'ailleurs. Eh oui. Eh oui. Et donc là, vous avez...
groupe Chaillant, et surtout notez bien, groupe Chaillant, voilà. Moi j'ai bien rigolé. Ah, bien rigolé. Mais maintenant vous l'avez coupé, tout le monde est content. Ben, vous allez voir les suites, vous allez voir l'enquête qu'il va avoir au procureur. Ah ben si, bien sûr, monsieur. Vous êtes dans la même chose que la police municipale. Vous appliquez des choses, faites un acte illégal dans le cadre d'un truc illégal. On vous informe que c'est illégal. Vous l'appliquez. Si c'est illégal. Si, bien sûr que c'est illégal. Mais bien sûr que c'est illégal. Et vous en aurez... tout le monde devra s'en expliquer des actes illégaux. Attendez, ça fait 30 ans que je défends des causes et des arbres et autres. Ça fait 30 ans. Alors je connais le patrimoine et autres. Donc je connais très bien. Monsieur, restez là. Mais pourquoi? Parce que c'est bon. Ben pourquoi? J'ai le droit d'aller prendre une photo de la souche. Non, c'est bon. Si, j'ai le droit d'aller prendre. Bon. J'ai le droit d'aller prendre une photo de la souche. Allez, ben, prenez, faites un zoom, faites un très beau zoom. Mais non, je ne veux pas la souche. Vous savez ce que c'est. Ben, vous rentrez pas dans le temps, ils vont partir. Ça va. Ah, je peux vous dire que vous allez vous souvenir d'en avoir l'enquête avec le procureur. Je vais faire une plainte. Oui, ben moi je vais faire une plainte au procureur de la République. Mais je filme, je suis sur la voie publique. Je suis sur la voie publique. Ah ben oui, ben pourquoi vous n'êtes pas fier de ce que vous avez fait? Ah ben pourquoi vous ne voulez pas être filmé? Ah ben, on va pas filmer. Ah ben, on va l'interpeller. Ah ben, on va l'interpeller. Ah, t'es devant la préfecture. Tu vois, ils m'ont voulu m'empêcher de récupérer des branches. Moi, non, mais... Ben oui, ben toi, non. Ben toi non, donc je veux dire, ça s'appelle ségrégation. Un peu. Oui, c'est ça. Tout le monde est content, l'arbre est abattu. Bon ben moi je vais payer ma banderole. Vous verrez, quand vous crèverez de chaleur, vous penserez à l'arbre que vous avez coupé. Oui, oui, oui. Mais rigolez. Quand il y a 30 ans, moi je disais à des gens qu'il y aurait réchauffement climatique, les gens rigolaient. Ben maintenant, les gens rigolent plus. Marie. Faut pas se fier aux apparences, les gens qui connaissent la légalité, j'ai fait annuler le concert Guetta en 2013. Eh oui, il y avait une autorisation municipale, elle n'était pas légale. Eh bien, le concert a été annulé. Eh oui. Et ma banderole, ils m'ont abîmé ma banderole, ils avaient cassé. On m'a rien demandé. Ben moi, on m'a rien demandé. Ben attendez, ils sont rentrés par là-bas, ils pouvaient sortir par là-bas. Ils sont passés par là, voilà. Oui, oui, c'est comme ça. Oui, oui, ben vous verrez, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Le groupe Chaillard, oui. Ah, je peux pas prendre la série, y aller, non ? Ça lui plaît pas, là. Mais c'est vrai ce que... Tu marches par là, tu marches, tu vas voir la souche. Oui, ben je vais les laisser partir. Je vais laisser tous partir. Quand ils seront partis, après, il y aura la suite. Non.
mais la jurisprudence de la France, c'est vrai ce que je dis. Ça leur plaît pas, mais c'est la vérité. Quand le dispositif, t'en foutrais du dispositif. Parce que samedi, apparemment, ils ont tronçonné, ils ont fait des coups de tronçonneuse. Est-ce près au milieu de la souche pour qu'il y ait pas, il y a des trucs qui soient pas visibles, apparemment. On va les payer. Où se fait? Où se fait, hein? Ben moi, je vais récupérer la branche là-bas. Parce que j'ai pour analyse. Je veux récupérer cette branche. Pour l'instant, ils travaillent. Donc non, mais ils vont l'emporter.